Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une alimentation haut de gamme de chez Antec, à savoir la iCourant Pro Platinum, une alimentation qui offre donc la certification Max actuelle, une garantie de 7 ans, des câbles full modulaires, un ventilateur qui se veut silencieux, bref, tout ce qu'il faut pour une bonne alimentation. On se donne rendez-vous tout de suite pour découvrir le bundle qui vous sera livré avec cette HCP. Avec cette alimentation, il vous sera donc livré les petites notices et précautions d'usage, ainsi que des petits scratchs en teck noir et doré, ainsi que la visserie, et on aura aussi un cordon d'alimentation pour relier votre bloc au 220 volts. Concernant les câbles entièrement modulaires de cette alimentation, nous avons procédé en deux fois puisque vous allez le voir, il y a beaucoup de câbles. Tout d'abord, du côté de la finition, c'est impeccable avec une très bonne gaine thermo, des câbles qui sont presque entièrement noirs mais légèrement dissociés avec quelques petites couleurs. C'est très sympathique. On a la gaine thermo qui est collée, donc la gaine nylon qui est bien noire. On va trouver un 24 broches ATX suivi d'un premier câble PCI Express 6 8 pins avec deux prises, un deuxième câble du même type qui propose de nouveau deux prises en PCI Express 6 8 pins, un troisième câble, donc on pourra faire du tri et SLI sans problème, et on a enfin le 4 8 pins CPU. Mais ce n'est pas tout, nous allons retirer tous ces câbles là, puisque vous allez également trouver avec cette alimentation une rallonge qui propose le même traitement et qui compte pas moins de 3 prises Molex et une prise floppy. Continuons avec un autre câble qui totalise 3 prises Molex. Nous avons ensuite un autre câble qui propose 3 prises SATA. De nouveau 3 prises SATA. De nouveau 3 prises SATA. Et enfin, on a le petit cordon OC-Link qui permet, imaginons que vous avez deux Alim 850 watts HCP Pro de chez Antec, vous pouvez les relier toutes les deux pour qu'elles puissent fonctionner ensemble et donc par exemple dissocier les rails 12 volts pour donner un maximum de 12 volts au CPU avec une alim et un maximum de 12 volts avec la seconde alimentation pour les cartes graphiques. Maintenant, attaquons le bloc. Nous attaquons donc le bloc tout en remarquant que dans la boîte nous avions oublié un câble 8 pins CPU. Il y en a donc deux. Clairement, il y aura de quoi driver de la très grosse configuration avec éventuellement des cartes mères avec double prise CPU 8 pins et également plusieurs cartes graphiques. Au niveau du bloc, c'est du Antec, donc rien à dire au niveau de la finition. Très belle peinture, très belle grille, logo de la marque, ventilateur de type 140 mm qui se veut silencieux, autocollant plutôt classique, bien fait, de bonne qualité et qui seront dans le bon sens une fois l'alimentation de votre boîtier. On va commencer directement avec les specs techniques qui sont sur le dessus du bloc. On nous propose un 5V de 25A, un 3V de 3 de 25A et ensuite on trouve pas moins de 4 rails 12V pardon, avec 40A chacun. Bref, il y a de quoi faire pour 850 watts au total sur ces 12V. Continuons notre petit tour de l'alimentation. Donc sur le dessus, on l'a dit, ventilateur de 140 mm, grille fine, logo de la marque. À l'arrière, on retrouve le traditionnel logo Antec, l'interrupteur, le assist et la grille type nid d'abeille. On va terminer à l'avant avec les différents connecteurs pour les alimentations. On le voit, il y en a une très belle quantité, ce qui est assez logique. En plus, tout est détaché au niveau des rails, c'est-à-dire que les périphériques seront sur le V1 avec les petites prises ici. Ensuite, on a le rail 12V numéro 2, le rail 12V numéro 3 et le rail 12V numéro 4, ce qui permettra de bien mettre une carte graphique, par exemple, sur chaque rail et le CPU sur un autre rail. Ça, c'est une très bonne idée. Et on a ici l'OC-Link. Au niveau des prix, on n'a pas encore les petites infos. Vous aurez les infos dans l'article complet qu'on vous proposera sur cocotteland.com très prochainement. On le répète, 850 watts, platinum, 7 ans de garantie, des câbles à ne savoir qu'en faire. Et sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos sur Cocotte TV.